ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد serviteurs d'Allah parmi les signes de la fin des temps que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé le rapprochement des époques. Les savants l'ont expliqué de plusieurs manières, ou bien que les voyages vont se faire rapidement, ou bien que le temps va passer très rapidement. Effectivement, nous voyons que nous avons quitté le mois de Ramadan dernier comme si c'était hier. Et voilà aujourd'hui que nous sommes aux portes de Sha'ban, qui est le mois qui précède le mois de Ramadan. Le mois de Sha'ban est un mois dans lequel il y a certaines spécificités que nous allons essayer de comprendre à travers un hadith. Un hadith rapporté par l'imam al-Nasa'i qui a été jugé acceptable où Usama ibn Zayd radiallahu anhu m'a dit « Ô messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner un mois parmi les mois comme tu jeûnes le mois de Sha'ban. » Au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre « Ce mois-ci est un mois dont les gens, auxquels les gens donnent peu d'importance, sont insouciants, car il tombe entre le mois de Rajab et Ramadan. Et c'est un mois pendant lequel les œuvres sont élevé et présenté au Seigneur et Maître des mondes. Et j'aime que mes œuvres soient présentées et soient élevées alors que je suis en état de jeûne. » On va tirer plusieurs leçons de ce hadith. Première leçon, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne jeûnait pas un mois en dehors de Ramadan, en dehors du mois obligatoire, comme il jeûnait le mois de Sha'ban. C'est-à-dire, c'est le mois dans lequel il jeûnait le plus. D'ailleurs, dans le hadith rapporté par An-Nasa'i et Abu Daoud, Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, a dit, le mois que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait jeûner le plus, était le mois de Sha'ban. Il le liait avec Ramadan. Tellement il jeûnait le mois de Sha'ban, comme s'il le faisait d'affilée avec Ramadan. Bien sûr, sauf comme il est venu son interdiction de jeûner un jour ou deux jours avant Ramadan. Donc, le hadith d'Usama ibn Zayd, radiallahu anhuma, premièrement, recommande et montre qu'il est recommandé, que c'est une sunna, de jeûner le mois de Sha'ban. Le jeûne du mois de Sha'ban, il peut se faire comme on le désire. On n'est pas dans l'obligation de le jeûner en entier, sauf bien sûr un ou deux jours avant Ramadan. C'est interdit de jeûner le jour du doute, c'est-à-dire un jour avant Ramadan. Mais en dehors de cela, la personne est libre de le jeûner en entier, de jeûner certains jours, de délaisser certains jours, de jeûner que lundi et jeudi s'il n'est pas capable de faire plus, ou de ne pas le jeûner du tout. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fortement recommandé, car comme pour les autres adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le manquement qu'il y a dans les obligations sera comblé par les œuvres surérogatoires. Par les œuvres surérogatoire. Comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le jour du jugement dernier, la première œuvre sur laquelle le fils d'Adam rendra des comptes, c'est la salat. S'il venait à en manquer quoi que ce soit, alors il serait demandé d'aller chercher dans les prières surérogatoires du serviteur pour combler les manquements qu'il y a dans l'obligation. Puis, il sera fait de même avec toutes ses autres œuvres, c'est-à-dire avec le jeûne, avec la zakat, avec le hajj, avec toutes les œuvres obligatoires. Donc, jeûner le mois de Sha'ban est nécessaire pour se préparer pour le Ramadan, pour gagner de nombreuses récompenses, pour combler les manquements qu'on a dans les obligations, dans les jeûnes obligatoires. Est nécessaire car c'est un mois dont les gens sont insouciants de la valeur et il a une très grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le deuxième volet de ce hadith que nous allons expliquer. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « C'est un mois dont les gens sont insouciants. »
qui est entre Rajab et Ramadan. Pourquoi Rajab et Ramadan? Rajab est un mois qui était valorisé chez les Arabes avant même l'islam, car il fait partie des mois sacrés. Les mois sacrés, ce sont des mois dans lesquels il était interdit de déclarer la guerre. Donc les Arabes, les tribus arabes connaissaient ces mois sacrés-là et ils leur donnaient une grande importance. Puis, l'islam est venu donner une importance au mois de Ramadan avec le mois du jeûne. Donc le mois de Sha'ban, il s'est retrouvé entre un mois qui avait une grande importance chez les Arabes et un autre mois qui a une grande importance en islam. Attention, quand on dit qu'il y avait une grande importance chez les Arabes, elle a une importance aussi en islam. Car l'islam a reconnu les mois sacrés. Sauf qu'il n'y a pas une adoration spécifique à faire pendant le mois de Rajab. Comme les gens, ils font la Umrah de Rajab. Ils font des prières de nuit, la 27e nuit de Rajab. Tout ça, c'est des innovations. Ça n'existe pas. C'est un mois sacré dans le sens qu'il y a des règles spécifiques liées à ce mois. Comme le fait de ne pas déclarer la guerre. Juste l'autorisation de se défendre, par exemple. Donc, le mois de Sha'ban est tombé entre deux mois importants. Et en général, quand une chose tombe entre deux choses importantes, on lui donne peu d'importance. On y prête peu attention, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'elle a aussi une valeur. Car quand on fait une adoration, quand on adore Allah, quand on évoque Allah, quand on fait une obéissance dans un moment ou dans un lieu qui est oublié, ou bien les gens oublient Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit ou dans ce moment-là, ou bien il y a peu de gens qui évoquent Allah, alors cette adoration n'en est que décuplée et sa valeur en est multipliée. La preuve de cela, on le retrouve dans plusieurs hadiths. Premièrement, le hadith rapporté par Tirmidhi, le hadith de Omar, pour celui qui entre dans le marché, qui dit « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, bi yadihi al-khayr, wa huwa ala kulli shay'in qadir. » Quand il fait cette invocation, en entrant au marché, au magasin, dans cet endroit où la plupart des gens oublient Allah, ils sont occupés par la vente et l'achat, ils sont tentés par les tentations, dans un monde où il y a la tromperie, la tricherie, le riba, le haram, etc. L'endroit où le shaitan il a planté son drapeau. L'endroit le moins aimé par Allah sur terre. Et les meilleurs endroits aimés par Allah, ce sont les mosquées. Comme il est venu dans le hadith. Lui, il n'oublie pas Allah à cet endroit-là. Il évoque Allah. Dans ce moment où la plupart des gens oublient Allah. Quelle récompense il aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on lui inscrira 1 million de hasanat. Et on lui enlèvera 1 million de sayyi'at. Et on l'élèvera 1 million de degrés. Vous avez vu la récompense énorme? Pourquoi? Parce que c'est un endroit où la plupart des gens oublient Allah. Et le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit où pendant un moment où les gens l'oublient ou bien se rappellent de lui que très peu, cela a beaucoup de vertus. Premièrement, c'est plus proche de la sincérité. Car les actes faits dans les moments ou dans les endroits oubliés, ils sont cachés. Et il est demandé en islam de cacher ses œuvres surérogatoires, supplémentaires. Comme il est demandé de montrer les œuvres obligatoires. Les œuvres obligatoires, regardez, on les fait toujours en groupe. La prière, en groupe. Le jeûne du mois Ramadan, tous ensemble, en groupe. Le hajj, en groupe. La plupart des adorations obligatoires, elles sont faites en apparence pour encourager les gens à les accomplir, pour que ce soit facilité. Alors que les œuvres surérogatoires, quelle est la meilleure œuvre, la prière surérogatoire? À la maison. Elle a plus de récompenses qu'à la mosquée, n'est-ce pas? Quelle est l'aumône surérogatoire la plus, qui a une plus grande récompense? Celle qui est cachée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les 7 qui seront ombragés de l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre de son trône, un homme qui a donné une aumône, sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, tellement il l'a fait d'une manière discrète. Donc, faire une adoration, une évocation d'Allah pendant les moments où les gens sont insouciants, c'est plus proche de la discrétion. Et être discret dans les œuvres, cacher ses œuvres surérogatoire, c'est demander en islam. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, si vous donnez vos aumônes en public, c'est une bonne chose. Mais si vous les cachez et vous les donnez aux nécessiteux, cela est meilleur pour vous. D'ailleurs, il est connu que les pieux prédécesseurs donnaient une grande importance à cacher leurs œuvres. Soufiane al-Thawri, rahimahullah,
dit, l'homme fait une œuvre sincèrement pour Allah. Elle est inscrite dans les registres des œuvres faites sincèrement pour Allah. En cachette, c'est-à-dire de manière discrète. Puis Shaytan ne cesse de faire l'effort sur lui pour qu'il la rende publique. Alors elle est effacée du registre des œuvres faites en privé et elle est inscrite dans les œuvres, dans le registre des œuvres faites en public pour Allah. Puis Shaytan ne cesse de faire l'effort sur lui jusqu'à ce qu'il aime être loué et remercié pour les œuvres qu'il a faites. Alors elle est effacée des œuvres inscrites pour Allah et elle est inscrite dans les œuvres faites par ostentation pour autre qu'Allah. Certains parmi les plus prédécesseurs jeûnaient pendant des années, ni sa famille, ni les gens du marché ne savaient qu'il était en état de jeûne. Il partait de chez lui avec deux pains pour faire croire à sa famille qu'il allait manger au marché et il en faisait aumône à un pauvre. Puis au marché, les gens croyaient qu'il mangeait chez lui. Tout le monde pensait qu'il mangeait à l'autre endroit. Et lui, il jeûnait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième intérêt dans le fait de faire des œuvres dans les moments où les gens sont insouciants, c'est le fait que c'est plus dur, qu'il y a plus d'efforts à fournir. Et quand on fournit plus d'efforts pour accomplir une adoration, on en a une plus grande récompense. À condition que cette adoration soit légiférée et légale. Par contre, il n'est pas demandé en islam de se soumettre des peines supplémentaires ou de faire exprès de se faire souffrir pour avoir plus de récompense. Ça, la personne, elle a des péchés. C'est interdit en islam. Mais si pour arriver à une obéissance, pour accomplir une obligation, pour accomplir une sunna, il est nécessaire de supporter un minimum de difficultés, alors plus on supporte de difficultés et plus on dépense de biens pour y arriver et plus la récompense en sera grande. La preuve de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha quand elle a fait la umrah, « Ya Aïcha, tu auras de récompense dans ta umrah à la mesure de la fatigue et des dépenses que tu feras pour cette umrah. » De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la récompense des croyants sincères qui viendront à la fin des temps, les étrangers, ceux que tout le monde pointera du doigt comme étant des gens bizarres, car toute la société ira dans un sens et eux seuls iront dans un autre sens. Il a parlé de ces gens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de la grande récompense qu'ils auront. Pourquoi ? Parce que ce sera difficile pour eux de pratiquer. Comme il est venu dans le hadith, celui qui tiendra sa religion, c'est comme lui, comme celui qui tient une braise dans sa main. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, il y aura derrière vous une période de patience. Celui qui tient sa religion à cette époque-là aura la récompense de 50 martyrs parmi vous. Il a dit ça aux sahaba radiallahu anhum. De même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration d'Allah en période de trouble, c'est comme le fait de faire l'émigration vers moi. Donc ça, une récompense énorme. Donc pour résumer, on voit dans le hadith d'Usama ibn Zayd et dans le hadith de Aïcha qu'on a cité, qu'il est recommandé de jeûner le maximum le mois de Sha'ban. Deuxièmement, que ça a une récompense décuplée, car c'est un moment pendant lequel les gens sont insouciants de la valeur de ce mois. Troisièmement, c'est un mois pendant lequel les œuvres sont présentées à Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait que ses œuvres soient présentées à Allah alors qu'il est en état de jeûne. Il y a d'ailleurs plusieurs moments où les œuvres sont présentées à Allah. Et tout cela ne se contredit pas pour une sagesse que seul Allah connaît. Et certains savants ont dit, quand la présentation est faite pour la vie de l'homme, c'est fait en général, puis à la semaine en détail, puis au jour encore plus en détail. Ou bien pour la vie en général, puis à l'année, la 15e nuit de Sha'ban en détail, puis à la semaine encore plus en détail, puis au jour encore plus en détail. Il n'y a pas de contradiction entre cela. Et Allah tabaraka wa ta'ala, si il veut, il a décidé par une sagesse que les œuvres lui soient présentées à plusieurs reprises.
les œuvres de l'être humain. Pour finir, et Inch'Allah on parlera de ça quand on s'approchera de la moitié de Sha'ban, il faut savoir qu'il est déconseillé de commencer à jeûner après la moitié de Sha'ban. C'est-à-dire celui qui n'a pas jeûné du tout. Les 15 premiers jours de Sha'ban, il ne lui sera pas recommandé de commencer après les 15 premiers jours. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand la moitié de Sha'ban arrive, ne jeûnez pas jusqu'à que Ramadan vienne. Ceci est spécifique à celui qui n'avait pas commencé à jeûner avant. Car comme on a vu dans le hadith de Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, jeûnait presque tout le mois de Sha'ban. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner un ou deux jours avant Ramadan. Ce qui veut dire qu'il est permis de jeûner avant cela pour celui qui avait déjà jeûné la première partie du mois de Sha'ban. Donc mes frères en Allah, profitons de ce mois pour rattraper nos manquements, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les œuvres pieuses, pour jeûner, que nos œuvres soient présentées à Allah subhanahu wa ta'ala alors en état de jeûne. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de jeûner Sha'ban et Ramadan comme il agrée et d'accepter nos œuvres et de pardonner nos péchés. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana jami'an lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahi rabbil alamin. وقل رب زدني علما